Dès son entrée dans la famille royale, Lady Diana savait qu'elle ne serait pas une princesse comme les autres. Mariée à l'âge de 19 ans au prince Charles, héritier de la couronne, elle s'est rapidement affranchie des coutumes dans son comportement et sa façon de s'habiller, trahissant parfois même quelques traditions dans ses choix personnels. Et la naissance de ses fils William et Harry n'a fait que renforcer sa façon d'imposer ses choix, notamment dans la sphère privée. Ainsi, la princesse Diana a commencé par rompre avec une règle royale concernant l'éducation de ses enfants. Soucieuse que ses deux fils grandissent entourés d'enfants de leur âge malgré leur statut d'enfants royaux, Lady Diana a ainsi insisté auprès de la royauté pour qu'ils fréquentent une école privée, plutôt que de les confier à un précepteur particulier comme le voulait la coutume, rapporte Point de vue. Si elle était consciente que le prince William serait un jour amené à monter sur le trône, la princesse de Galles a toujours fait en sorte que ses garçons vivent comme des enfants de leur âge et mènent une vie normale, en les emmenant notamment dans des parcs d'attractions, dans des fast-food au cinéma et en consacrant une grande partie de son temps à eux. Ces surprises étonnantes pour les anniversaires de William, une façon pour Lady Diana de préparer William et Harry à la vie en les sortant du palais. En leur réservant toutefois des surprises parfois très étonnantes, notamment pour leurs anniversaires. C'est ainsi que lors d'une fête, le prince William a pu assister à un défilé de motos avec des cascades et des acrobaties de motards, ou encore a reçu la visite de trois top modèles très célèbres, Naomi Campbell, Claudia Schlamann et Christy Turlington. Nous y sommes allés avec Claudia et Christy et il rentrait de sa journée à l'école. Diana nous a fait venir avant et nous, on lui a demandé ce qu'on pouvait faire. Je veux dire, c'était super mignon, s'est ainsi souvenu Naomi Campbell il y a quelques années. Thank you.